au fait, la meuf là, la métisse qui taffe dans le bar de ton pote là, le juif là. Hein? Mon chien? Ouais. Ouais. T'étais pas censé la capter ces derniers temps là? Hein? De quoi je me mêle? Oh, mais arrête de faire le cachotier, mec. Vas-y, dis. Ouais, je l'ai capté. Ah, tu l'as capté? Ah, t'as pas le temps, toi, mec. Ah ouais, t'es un mec de speed, toi. Et alors? Et alors quoi? Bah, tu l'as capté, et alors? Wesh, mais c'est quoi ces questions puceaux là? Tes questions comme... Arrête de faire le mec là, vas-y, dis mon frère, c'est tout. Tu l'as capté ou quoi? Ouais, je l'ai capté, et après. Ah, petit coquin. Bref, tu l'as niqué ou pas, concrètement? Non, on s'est vu, on a joué aux cartes, tout ça. À ton avis. Tu l'as niqué? Tu lui as caressé l'oignon? Hein? Tu lui as brouté le chou-fleur? Oh, ah, la pute! Hey, t'es un petit bâtard, toi! Hein? Oh, l'enfoiré! Eh, hey, t'as sucé ou pas? Hein? Eh, hey, t'as sucé ou pas? Monte la petite, là. Eh, hey, t'as sucé ou pas, gros? Pour porter tout ça. Est-ce mieux que ta soeur la pute? Hein? Est-ce mieux que ta soeur? Ta soeur, tu sais, ta soeur la pute là, qui suce. Qui suce tous les mecs du quartier. Hein, tu dis Renaud? Eh, les meufs, elles vont me tuer, mec. Bref. Ouais, allô? Ouais. Ouais, on est en bas, ouais. Ouais, c'est quoi le code? Ok, vas-y. Vas-y, on arrive. Bon, vas-y, viens, on y va. Viens, on y va, gros, vas-y. Il est là, je crois. Tiens, mon pote. Sinon, toi, ça va depuis l'autre fois? Ouais, ça va. La routine, quoi. Cool. Et toi, comme neuf? Bon, un peu, les affaires, ouais. Comme d'habitude. Pas mal du tout, ton petit appart, là. Ouais, j'ai emménagé il n'y a pas longtemps. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est plus grand que l'autre. Ouais, ouais, ouais. Le prix change pas? Non, pareil. Pareil. Il n'y a pas de solde. Vas-y. Ouais. On se connaît? On s'est pas déjà vu quelque part? Ta tête, elle me dit vraiment quelque chose. Non, je pense pas. Ok. En tout cas, tu me dis rien. Ok. Tiens, il y a le compte là. Non, non, le compte quand même. Non, c'est bon. Ouais. Je bois, ouais. Vas-y, plus tard. Salut. Vas-y, dis ouais. Vas-y. Tu m'appelles? Vas-y, passe. Ok. Bon, pour la prochaine, bon. Ah, mais, excuse-moi, t'es sûr que tu fais pas de la musique? Non. Attends, mais si, à Metz. Non, je pense que tu fais erreur, en fait. Vas-y. Mais si, je suis sûr que c'est lui, un rappeur à Metz. Je l'ai vu dans des vidéos. C'est impossible. Il s'appelle Djibril.
C'est impossible, laisse tomber. So very special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. T'as rien à dire là? Quoi? Tu veux que je dise quoi? Ouais, tu te fous de ma gueule ou quoi? Hein? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Pour toi, ce qui vient de se passer là, c'est normal. Hein? Cette espèce de connard là, que je connais ni d'Adam, ni d'Ève, ni de Satan, il te reconnaît normal. Et la suite, c'est quoi? Un autre qui va te reconnaître, et encore un autre, et après encore un autre, et à tout de suite. Mais arrête de casser les couilles pour rien, Renoir, mais personne ne va me reconnaître. Je suis pas Tupac, je suis pas Biggie. Il m'a reconnu, voilà, c'est arrivé. Cette fois-ci, il fallait que ça arrive. C'est un risque, on fait avec. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire? Ben ouais. Je sais pas comment tu réfléchis, frère. Ça, c'est le début des histoires. Et bien sûr que t'es pas Biggie ni Tupac, espèce d'enfoiré. Ils sont morts. Et c'est la dernière chose que je voudrais qu'il nous arrive. Alors, je vais te faire un topo. Toi qui réfléchis si bien, là. Cette espèce d'enculé, là, hein, avec ce qu'on lui a refourgué, il se fait péter par les keufs. Il va pas s'empêcher de balancer son pote. Et son pote qui nous connaît, il va faire quoi? Il va passer à table. Et qui sera au menu? Toi, moi et Chris. Hein? On n'est pas des boulangers, frère. On vend pas des baguettes, là. Je vais te le répéter une dernière fois pour que ça rentre bien dans ton cerveau. Il est hors de question que je retourne au placard. T'as compris? Hors de question. Donc, toi, tu vas te mettre sur la touche. Tu vas cesser les activités. Tu vas continuer ton rap calmement. Moi, je continue à faire ce que je suis en train de faire. S'il faut injecter, je vais injecter. Ah, mais Renoir, Chris, il va s'occuper de toi. Il fait ses études. Ah, écoute, de écoute, écoute, écoute. Là, t'es en train de t'emporter pour rien. Là, t'es en train de t'emporter pour rien. Comment ça, me retirer des activités, quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Mais je parle français. Me mettre sur quelle touche? Donc, moi, je vais mettre sur la touche. Toi, tu vas ramener les sous. Et Chris va s'occuper de moi. Donc, moi. Moi, je suis votre meuf. Qu'est-ce que tu comprends pas? Vous m'entretenez. Hein? Je te parle français. Ne parle pas d'entretien. Depuis le départ, on partage les risques et on partage les sous. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi on discute. On va capter Chris. Hein? Et on va en parler calmement. Là, dans la voiture, je te le dis, c'est terminé. Fin de la discussion. Culé. Killer, but don't push me. Revenge is like the sweetest joy next to getting pussy. Picture paragraphs unloaded, wise words being quoted. Beat the weakness in the rap game and sold it. Bow down, pray to God, hoping that he's listening. Seeing niggas coming for me, my diamonds when they glistening. Now pay attention, bless me, please, Father. I'm a ghost in these killing fields. Hail Mary, catch me if I go. Let's go deep inside the solitary mind of a madman. Screams in the dark, evil lurks, enemies see me flee. Activate my hate, let it break, till I'm flaming. Set trip, empty out my clip, never stop to aim. Some say the game is all corrupted, fucked in this shit. Stuck, niggas is lucky if we bust out this shit. Plus, mama told me never stop until I bust a nut. Fuck the world and they can't adjust. It's just this way, oh, Hail Mary. Come with me, Hail Mary, nigga, run quick, see what you be having now. Understand me.
Vas-y, je te dépose chez toi. Oh non, pas ce soir, je préfère rester à l'hôtel. Pourquoi? Laisse tomber, longue histoire. Comment ça, longue histoire? Bah, il y aura mon mec chez moi, je sais que ça va me saouler. Ton mec. Tu l'as choisi, non? T'assumes? Bah ouais, je sais, mais en ce moment, c'est super tendu entre nous. Super tendu, ça veut dire quoi? Il te frappe? Mais non, c'est pas ça. Il laisse de la marchandise, il fait son business chez moi, tu vois. Ça me saoule. Il laisse de la marchandise, quoi? De la drogue, à ton avis. Beaucoup? Assez pour que ça me saoule. Bah, je vais quand même te raccompagner chez toi. Laisse tomber, ça sert à rien. Tu vois, l'appart, il est à mon nom. Imagine les flics débarquent, enfin non, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'être mêlée à ces histoires, tu vois. Écoute, hein, je vais pas te supplier, c'est toi qui vois. J'ai des trucs à faire là. T'as de l'argent pour le taxi? T'inquiète pas pour ça. Appelle-moi tout à l'heure. Ça, les mecs, ça vous surprend. Coff. Ames. Tu vas me dire que ça, toi, ça te surprend. Si simple. Tu fais ton rap, t'as plus en plus de notoriété. L'autre côté, tu fais ton business. C'est normal qu'à un moment donné, on te crame. Je sais pas. Soit tu laisses tomber la musique, tu continues à faire tes sous. Ou alors, tu laisses tomber la rue une bonne fois pour toutes et tu te concentres sur ton rap et que sur ton rap. Et crois-moi, là, il n'y aura plus de problème du tout et pour personne. Je sais pas, tu préfères être un voyou ou être un artiste? Être un voyou ou être un artiste? Ah, parce que c'est aussi simple que ça, en fait. Hein? Être un voyou non, ou être un artiste? Non, mais explique-moi juste un truc, là. Hein? Au lieu de tergiverser, là, faire de la philosophie. On t'a posé une question qui est simple, non? Tu veux être un voyou ou être un artiste? Bah évidemment être un artiste. Bah alors? Et depuis le départ, on s'est toujours fait confiance, d'accord? Prends ça comme un nouveau business, ou Chris, il est là pour être ton manager, assumer et assurer tout ce qui est paperasserie, etc. Moi, je suis là pour allonger les bifetons, régler les factures, en gros, quant à toi, ton rôle, si tu le veux bien, c'est d'être le meilleur dans ta catégorie. C'est tout. On peut pas faire plus simple. Ouais, c'est tout. Quoi? C'est tout quoi? T'as peur ou quoi? Vas-y, je roule. Je roule et on verra ce que ça va donner. À la vôtre, les mecs. À la vôtre, bande d'enflure.
Et alors ? J'en ai rien à foutre. J'en ai putain de rien à foutre. Tu sais quoi ? La marchandise, tu l'as eue. Au bon moment, et à la putain de bonne heure. Alors ce qui va se passer, c'est que les thunes, tu vas me les putain de ramener. Ok ? Ouais. Je t'écoute, mais j'en ai rien à foutre. Tes excuses de merde, je m'en fous. Avec moi, on respecte les délais. Écoute, si tu ramènes pas les putains de thunes, ce soir, je t'étripe. Je t'étripe vivant, enculé de merde. Putain. Qu'est-ce que tu veux, toi? En fait, le type, ça va ou quoi? Ah, ton petit, ça va à merveille, hein. Il se porte super bien. Ouais? Ouais, je l'ai emmené la dernière fois à faire du golf. Franchement, il apprend super vite, ce petit. Ouais? Ouais. Un bon petit Tiger Woods ou quoi? Exactement. Si, si. La performance, comme on dit. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'aide. Je vais bientôt m'inscrire dans un bon petit club de bobo. Ah ouais? Ouais. Histoire d'y apprendre le swing, comme on dit. C'est ça? T'as tout dit, le swing. D'ailleurs, je lui ai montré comment procéder pour avoir un bon swing. Je lui ai dit d'écarter les jambes, d'avoir un bon positionnement pour les bras, pour assurer le mouvement qui va avec l'élan et frapper. Parle-moi ce bâtard. Bon, je voulais te dire par rapport au billet de mon grand frère. Ça va prendre juste un peu plus de temps que prévu. Pourquoi? Parce que moi, t'as vu, j'ai arrêté les activités. Tu vois, ce qui fait que je fais plus rien, j'ai mis un trait dessus. Donc les liquidités vont plus rentrer de la même façon. Ça fait combien de temps? Ça fait trop longtemps là. Ouais, je sais, mais le délire, c'est que... De toute façon, quoi qu'il se passe, c'est très bien que tu vas être payé, tu vois. J'ai qu'une parole. Mais le truc, je te demande juste un délai supplémentaire par rapport à ce qu'on s'était dit. Juste un petit délai en plus. Et la vie, écoute, c'est très bien, gros. La vie de ma mère que je vais te payer. Mais le truc, c'est que... Même moi, c'est compliqué pour moi. Écoute, je te considère comme mon petit frère. Et pour ça, je dois te respecter. Je dois respecter ce que tu as fait pour ton grand frère. Le fait d'endosser ses dettes, pas de problème. Ça s'appelle ça quelque chose de loyal. Ça, je respecte. Mais me demander un délai de plus, c'est trop. C'est trop comprendre que j'ai des affaires à faire tourner. J'ai des choses à régler encore. Toi, les codes, tu les connais, je ne veux pas te les apprendre. Mais quand on les respecte pas, on sait ce qui nous attend derrière. Je sais. Donc là... Le délai, j'espère que ça, il n'y aura pas d'abus. Mais sache que je suis très énervé, je suis très en colère. Ton grand frère, j'ai mis en tête, t'es au courant. Et quand je mets quelqu'un de en tête, on sait comment ça finit. Tu sais quoi? Laisse-moi 6 mois. 6 mois et la vie de ma mère t'en... Non, 4. Et normalement, je devrais dire même 2, 1, une semaine ou 24 heures. C'est qu'on joue pas avec le temps. Je sais. Et au-delà des 4, malheureusement. On va pour 4. On fait comme ça.
Est-ce que je mériterais que tu m'acclames? Ou plutôt, m'acclameras-tu pour ce que je suis ou pour ce que j'incarne? Et s'il s'avère que c'est dommage calme, est-ce que c'est le paradis ou les flammes qui m'attendent? Suis-je entouré de mecs vrais ou y a-t-il des traîtres infiltrés dans la bande? Est-ce que le salut de mon peuple ne se trouve que dans la révolte armée? Ma forme sera-t-elle plus utile qu'un pare-balles dans ce monde de cramé? Est-ce nécessaire que j'exhibe un tarpe dans le clip tiré en l'air pour prouver que c'est chargé? Ou sur toi pour prouver que je suis starbé? Faire de... Coupe. Wesh bro, bien ou quoi? Ça va. Tranquille? Ça va. Allez, tiens, sa mère. Hein. Tiens, sa mère. Wesh, petite cigarette ou quoi? Oh. Eh, hey, t'es pas de cité blanche toi? T'es pas de la cité blanche là-bas là? Pourquoi? Je sais pas, je te demande. Comme ça, t'es de cité blanche. Ouais. Non mais pourquoi? Bah moi je te demande gros, wesh, y'a rien. Je te demande. Pourquoi tu t'énerves? Ouais. T'es de cité blanche? Ouais. C'est tout. T'as pas une histoire avec des mecs d'en bas, toi? Eh mais... Gros, de quoi tu me parles? Tu sais de quoi je te parle, gros. Non. De quoi tu me parles? Quelle histoire? T'as pas une... Mohim. Quelle histoire? T'as pas une histoire avec des mecs d'en bas? T'as douillé des mecs, y'a des mecs, Mohim. Eh, moi, je suis pas venu pour m'embrouiller douillé avec toi. Douillé quel là. Mec? Écoute, pote. Douillé quel mec? Je suis pas venu m'embrouiller avec toi. Ouais? Mohim, je suis venu te dire, y'a des gens, ils veulent ta tête. Y'a des gens, ils veulent ta tête. Mohim, y'a un d'autre à dire. Vas-y, mon pote. Salut. Eh hey gros! Eh, je m'en bats les couilles. Dis-leur bien, ma tête elle est bien accrochée. Je m'en bats les couilles. Ok. Louis XVI aussi il disait ça, poto. Vas-y, salope. Tu mets un glaçon dedans. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? L'eau elle monte. Sa daronne, elle met une goutte d'eau dans la baignoire, elle s'assoit ou elle monte jusqu'à là? Pas mal celle-là, pas mal. Elle met du beurre sur les côtés, pour que, hein, pour que ça glisse. Pour que ça glisse. Qui toi? C'est qui Kofi? Tu lui veux quoi Kofi? Lui parler. C'est moi Kofi. C'est toi? Ouais. Je suis moi. Tu vas bien? Oh ça va. T'es sûr? Bah ouais, pourquoi? Ça fait un moment que j'attends tes nouvelles. C'est juste que je travaille dessus. Et ça prend le temps qu'il faut, mais les délais seront respectés, donc à ce niveau-là, t'as pas de soucis à te faire. Si tu le dis. Comme je t'ai dit. Je compte sur toi. Toi, compte sur moi. Tu comptes déposer quelque part? Non, je vais marcher. Ok. Je suis en courant, là. De toute façon, je t'appelle. Ok. Ok, vas-y. Attends. C'est à l'œil. Ouais. C'est pas un grand de la cité verte ça? Voilà,
jamais vu. En tout cas, elle est gonflée, hein. J'espère qu'il est pas chargé, parce que là, on est à vide. Bizarre, hein, cette histoire. T'en as rien, commence à faire l'excité, là. Hey, casse-toi de là, dégage. Allô? Ouais. Eh, ton putain de bambou là, je vais le buter. Et quand j'ai fini avec lui, je vais te buter, espèce de sale putain négro. T'as compris? Bah alors ma couillasse, ça roulotte? Ça gazouille toi? Bah tranquille, je vois que t'arrives toujours à leur bouffer, t'as pas changé toi? Non, bah change pas les bonnes habitudes mon vieux. Bah t'as pas gagné ce soir, je crois que ça va être du porc. Hein. Mange toujours pas de porc toi? Bah, toujours pas, tu connais. C'est pas ce que tu veux ma couillasse. Hein. Et puis la religion, c'est pas dans l'assiette et je suis sûr que tu te fous de la grosse cochonne toi. Vu que moi je te connais. Ah ça c'est les petits écarts qu'on s'autorise de temps en temps, mais bon, rien de méchant tu vois. Ça va, c'est qu'à voir. Ouais, je veux bien, pas d'alcool s'il te plaît. Comme d'hab. Ça t'amènera pas au paradis tout ça. Et moi je peux te dire que tu tombes à pic ma couillasse, toucher du prod. Sur mon père, t'es trop finou, ils vont chier du Nesquik. T'es bien pour ça de toute façon. T'as tout compris. Ça va voir ici, hiver comme été, on vend de la neige. C'est Morzine, c'est Courchevel, regarde en plus il y a ça, t'es les dicaves quand ils font du snowboard. Sur mon père, on dirait qu'ils sont en train de faire du surf sur de la poudreuse qui vient de chez nous. Qu'est-ce qu'il te faut? Dis-moi combien il te faut et combien. On va se dire 2. Ouais, c'est possible ça. Pour demain soir, ça peut se jouer. Oh, demain. Attends, ouais, je suis pressé. Tu connais le parking de Casto? Ouais. Il y aura une R19 garée là-bas, je vais essayer de te l'envoyer pour 23h. Mm-hmm. Puis comme d'hab, hein, tu vois, la moitié, tu me donnes et puis tu récupères le matos. Nickel. Ça te va? Ça me va parfaitement. Ouais, écoute, au plaisir de t'avoir vu. T'as loupé du jambon de Parme. Et t'es délicieux, ma couillasse. Je m'en remettrai, t'inquiète. Vas-y. Vas-y, bah gros. J'ai un petit truc, sinon, tu vois, s'il y a des amis qui entendent parler, j'ai de l'arme de poing, de l'arme de guerre. Tu me dis, c'est des cracheurs de dragées, des cracheurs de boulettes. Non, ça va aller, tranquille. T'es sûr? Ouais, c'est bon. Tiens-moi au jus, ça peut intéresser toujours. Vas-y, mon frère. Salut, ma couillasse, rentre bien. Ouais. 23h tapante demain. Voilà toi. Ouais, tout compte fait gros. Dis-moi un petit peu plus sur tes petits joujoux. Les paroles d'un pauvre mec vexé. Le mène à une mort certaine et précoce, il le sait. Depuis le jour où il a vu son frère échanger un sachet blanc contre de l'argent avec un mec du quartier. Alors pourquoi ne pas faire comme lui? Il trouva de l'argent pour acheter son coin de paradis. Un billet en première pour l'extase en charter. C'était bien cher payé pour une jouissance éphémère. Et aujourd'hui, quelle est son existence? Vendre des petits paquets pour assouvir sa dépendance. Et une nuit tout bascula. Pendant qu'il vendait une patrouille l'embarqua. Il ne retournait qu'à travers des barreaux et mourut seul avec sa dernière dose d'héro. Il n'y eut personne pour pleurer lors de l'enterrement. Le sachet blanc compte un mort de plus dans ses rangs. Le sachet blanc m'empoisonne le sang. Le sachet blanc m'empoisonne la vie. Autour de moi s'est arrêté le temps. J'ai dû me tromper de paradis. Le sachet blanc m'empoisonne le sang, le sachet blanc m'empoisonne la vie. Autour de moi, c'est arrêté le temps. J'ai dû me tromper de paradis. Une rue
plus sombre qu'une limousine s'y engage. En face d'elle, une Cadillac attend sous l'orage. On sort la marchandise et la petite valise. La tension s'attise sous les gars par une grise. Car les gars qui sont là n'ont plus rien à prouver dans le style enfoiré. Ils se sont affirmés, la conscience tranquille. Ils peuvent rentrer à la maison sûrs et certains de ne jamais finir en prison normale. Ils n'arpentent pas les trottoirs et n'ont aucune idée de ce qu'est le désespoir pour eux. Il n'est qu'à faire de monnaie et qu'importe le prix, ils n'auront pas à le payer. Il neige sur ma ville, des flocons d'héroïne, le style de poudreuse qui vous plonge dans l'abîme. Pendant que certains se frottent les mains, pensant à l'argent qu'ils vont amasser le lendemain. Après ça, on vous promet une guerre comme on n'en a jamais vu. Contre la drogue dans la rue, que d'affabulation et d'extrapolation, sachant que le poison est à l'intérieur du bastion. Et oui, tout le monde sait le problème, ce n'est pas les dealers. Tuer le mal à sa source, ce serait bien meilleur. Car vendre de la blanche est interdit, c'est sûr. Sauf si tu as une villa sur la Côte d'Azur, que tu ne te trimbales qu'en limousine et que ta femme porte un manteau en zibeline. Si tu n'as pas tout ça, tu ne vis pas longtemps. Et le sachet blanc compte un mort de plus dans ses rangs. Le sachet blanc m'empoisonne le sang. Le sachet blanc m'empoisonne la vie. Autour de moi, c'est arrêté le temps. J'ai dû me tromper de paradis. Je voudrais surtout pas remettre en cause la valeur sentimentale de ta voiture, mais t'as pas l'impression que à ce niveau-là, là, il manque un petit que truc? Je sais pas, t'sais, un truc comme un rétroviseur. Je dis ça, je dis rien, c'est qu'un avis, t'as vu. T'es un marrant dans ton genre, toi, quelque part. Ouais, quelque part. Fils de guignol. C'est à cause des mecs trop curieux comme toi que ce putain de rétroviseur, qui normalement devrait se trouver là, ben, il se retrouve là. Putain, j'avais pas vu. Ah ouais, joli. C'est quoi, tel que je te connais? Tu devais être en train de te faire sucer au volant de ta voiture, comme d'hab. T'as voulu profiter de la scène, un petit coup de rétro vers le bas, et hop, c'est tombé. Vas-y doucement avec les shots, mec. Je te connais par cœur. Putain, j'ai soif. Et moi donc? Il y a une épicerie là-bas. Elle est ouverte, là? Mais tu vois pas, là? Ah ouais, c'est pas ouvert. Nickel. Tu me prends un chop sagrume ou quoi, gros? Non, ouais, c'est tropical. Non, Fanta. On va ça et on passe en croix, on va ça pour réussir. Moi qui consomme ma fenêtre, c'est qu'ici y'a fait du RIP, gros. Faut un gars stop. En clip, t'aurais sympa, pas trop de PD dans le rap, parle-moi. Oh, check mon numéro 9, donc je fais mal, voir ça un 9 de top. Oui, que voulez-vous? T'es vraiment con, toi. J'ai oublié mon fric dans l'autre veste, là. T'as de la monnaie, là? Attends. C'est bandant d'être indépendant.
t'attendais justement. Ça a fait comme chez toi. Je savais que je pouvais compter sur toi. T'es un bon gars. Hein, Dooms? Si, si. T'es un bon gars. Pas besoin de compter, je te fais confiance. Oh, c'est bien. Ok, on est bon? On est bon. Ok, parfait. Vas-y, moi j'y vais. Vas-y, la prochaine. À bientôt. Et Ames? Ouais. C'est pas aussi simple que ça. Quoi? Ton frère a planqué quelque chose qui m'appartient. Mais non, mais là, plus d'histoire. Mon frère, je suis venu, je t'ai réglé ce qu'il te devait. On est à zéro, là. Là, y a plus à discuter. Ce qu'il a planqué, tu sais où c'est? Donc tu vas m'y emmener. Mais Demba, c'est pas ça qu'on s'était dit. Dooms, c'est lui qui voit maintenant. C'est toi qui vois, négro. Je t'appellerai en temps voulu. T'as peur qu'il parle, lui, un choix? T'inquiète pas, s'en occupera. Je viens te voir, toi, mon frère, en prison et tu me demandes qu'est-ce que je veux. T'es bizarre, toi. Tu viens me voir, c'est quoi? C'est un spectacle? Tu crois que c'est un spectacle ici ou quoi? Un safari, un zoo? Tu m'as vu, non? Regarde-moi, tu m'as vu, non? Eh, fais ta photo et casse-toi. Casse-toi. Bref, la daronne elle demande pourquoi tu réponds jamais aux lettres. Parce que j'ai pas envie, wesh. Sérieux là? J'ai pas envie, fin. J'ai rien à t'expliquer à toi. Sinon, à part ça, comment elle va? Si tu répondais aux lettres et que t'acceptais les demandes de parloir, tu saurais comment elle va. A ton avis, frère, elle va mal, tu crois quoi? Elle va mal. Elle va mal. Ouais. Toi, t'es là, elle va mal. T'es là, hein? Toi, t'es là, toi? Mais toi, t'es là, non? Le grand chef. Hein? Le grand seigneur. Quoi tu parles? J'entends plus parler que de ça. Les gens, ils viennent, ils me chauffent la tête, ils me chauffent le crâne. Comment ça? Ouais, ton frère ci, ton frère ça, ton frère ci. Hein? Toi et tes potes de merde, tes petits pédés, là, tes potes de merde, là. Hein? Elle parle bien de mes potes. Hein? Qu'est-ce que tu comprends pas dans le petit pédé? Des confits, tout ça, là, vous faites du bruit, vous montez, vous descendez. Hein? Quand je vois moi les mecs avec qui je suis monté, mes potes d'enfance. Tes potes d'enfance? Hein? Attends, tes potes d'enfance? Tu parles de ceux que t'as barbés? Et alors? Demba, Dooms, les frères Sidibé. C'est eux tes potes d'enfance que t'as barbés? Et alors? Et alors? Il y a que Astor-ci sont sur mes côtes. Et que si, là, on se parle face à face et que t'as pas les deux pieds devant, c'est parce que moi je suis là et je règle tes dettes dehors. Et ouais mon gars, c'est moi qui règle tes dettes. Quoi? C'est moi qui règle tes dettes. Tu arrêtes de rien. Écoute, bref, moi je suis venu voir pour un truc très simple. Comme je t'ai dit, ils sont sur mes côtes. J'ai juste besoin de ton feu vert. Tu me dis, ok, je récupère le matos que tu leur as pris. Je leur rends. Et fin de cette histoire. Mais t'es pas un ouf. Comment ça, je suis pas un ouf? Eh, mais tu seras jamais qu'un petit PD. Tu viens jusqu'ici pour me dire ça? De quoi tu te mêles? Et tu rentres dans quoi là? Moi je vais bientôt sortir. Si tu veux raquer des gens dehors, parce que t'es une flippette, t'es une balle dringue, tout le monde il vient de marcher dessus, tu leur donnes de l'argent. D'accord? N'utilise pas mon nom pour ça. Parce que moi je vais t'enculer, je vais enculer tout le monde. Tous les gens qui jettent sur moi. À partir de maintenant, je ne vais plus entendre parler de toi, dégage. Rigolo. Comment ça?
Lâche-moi. J'ai pédé, moi. Je vais plus t'entendre dans mes histoires, tu comprends? Je vous baise. C'est là qu'il habite, ce fils de pute! Ce petit bâtard là! T'as ralenti? C'est pas lui là? C'est pas lui? C'est lui, ce fils de pute, c'est lui, attends. Fils de pute, je sais que t'as la cam, la petite elle a tout pour cam. Écoute-moi, Hey gros, t'es malade dingue. Viens, ah ouais, on va chercher les grands, viens, deux minutes. Je te parle, je t'emmerde. Écoute-moi, tu vas rendre la cam, t'as compris? On m'a tout dit, elle m'a tout dit, t'as compris? Je vais t'en tuer, personne ne tient là, Je vais te faire baiser. Ah ouais, je vais me faire baiser. Ah, le gros, là, faites quoi là? Ah, lâche-le, enlève tes mains, ah le gros. Enlève ta batte là, tu vas jouer au baseball sur qui toi? Recule! Maintenant tu as reculé! Maintenant, niquez vos mères de là! Barrez-vous sur la vie de ma mère! Le gros là, qu'est-ce que je vais te dire là? C'est pas fini! C'est pas fini! Et toi, petit pédé! C'est pas fini! Alors quoi? Les autres disent que t'as des comptes à rendre. Eh, hey, écoute-moi très bien, y a pas de comptes à rendre, y a que des comptes à régler. T'es trop chaud ma gueule. Je suis bouillant. Vamos. C'est pas moi, c'est... Faut que... Moi avec l'autre. Attends, deux secondes. Putain. Je te rappelle, il y a la volaille. Merde, sa grand-mère. On se retrouve. Tu sais pas que le portable volant c'est interdit? De quel portable tu parles? Te fous pas de ma gueule, allez, sors de la voiture. Pourquoi? Dépêche-toi, sors! Casse le cou. Dépêche-toi! Allez, écarte les bras! Vas-y, doucement! Bouge pas! Alors, mon salaud! Comment on se retrouve, hein? Pensez pas à me revoir! Elles sont belles tes baskets, dis-moi!
Ça va pour toi? T'as de l'oseille en ce moment, petit Sembe? Gérard, fouille la voiture. C'est quoi? C'est un regard? Ouais, tu vas voir à la maison si t'es boulanger. Bouge pas. Donne-moi l'autre. Il y a un calibre là. Allez, tiens ici. Avance. Allez, rentre dans la voiture. Baisse la tête. Baisse la tête, allez. Prends la voiture. Ce soir, le grand soir. Vas-y, j'arrive. Tiens, à tout de suite. Bah alors, Kofi, ça va? C'est pourquoi t'es là? Je sais pas. Mais si, tu sais. Hey, regarde. La cam, le flingue, c'est les placards, ça. C'est pas à moi, ça. Te fous pas de notre gueule, te fous pas de notre gueule, regarde! C'est à qui, alors? Demande-lui, c'est lui qui m'a mis ça dans la poche. Ouais, de toute façon, t'expliqueras ça au juge, ok? Là, on va parler d'autre chose. Ne me regarde pas comme ça, ne me regarde pas comme ça parce que tu vas manger, tu sais que tu vas manger. Bon, allez, vite chercher, j'ai envoyé une équipe pour venir te chercher, c'est pas pour rien. C'est pas pour, pour ces petites... hein. Je te laisserai monter. Pour venir te chercher, sérieusement. Mais là, j'ai vu quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'intéresse beaucoup. Je vais te faire montrer des photos. Tu vas réfléchir. Et si tu réfléchis bien, demain, c'est pas le placard. Alors, Ames, et ton quartier? Je le connais pas, ton Ames, là, avec son nom de médoc, là. Tu connais pas Ames? Je vois pas qui c'est. Attends, tu vas voir. Il y en a un que tu vas reconnaître, tu vas voir. Et ben là, il y a une photo avec Ames, et je crois que c'est bien toi, c'est toi ici, là. On te reconnaît bien. Donc, alors, tu vas réfléchir avant de répondre. Tu vas réfléchir, hein, tu vas laisser l'information monter dans ton cerveau. Soit tu fais 3 piges. Ou ça, tu sors discrètement, comme on dit dans la porte, par la porte de derrière. Écoute, l'information, elle est remontée, elle est redescendue. Jusqu'à mes couilles, je te dis que ton Ames, là, je le connais pas. D'accord? Hé, hey, regarde! C'est qui, là? C'est pas toi, là? Et là, tu vois pas que je suis en train de lui gratter une cigarette, là? Tu vois pas, là? Te fous pas de notre gueule! Gardez bon. Vos photos, là. Je sais pas qui c'est, votre Ames. Thank you.
Dooms, on décolle. Ok, c'est parti. Dooms, commence à creuser. Eh hey, mais y'a rien là. Comment ça y'a rien? Continue à creuser là. T'es sûr, c'est ici? Bien sûr que c'est ici. Là, y'a vraiment rien, là. Mais c'est pas possible. Je te dis qu'il y a vraiment rien. Je crois que tu te fous vraiment notre gueule.
Vas-y, bouge. Bouge, t'es qui bouge. Il est là le problème, c'est que les gens, ils sont persuadés qu'il n'y a plus d'argent à se faire dans la musique. Alors que c'est complètement l'inverse. Il y en a encore plus qu'avant. Le seul truc, c'est qu'il faut le provoquer, tu vois. C'est comme tout, il faut que ça se provoque. Faut que tu puisses donner envie aux gens d'acheter ce que tu vas leur vendre. Il n'y a pas de secret. Ouais, ça c'est le business, c'est le marketing. Exactement. C'est le marketing. De toute façon, c'est bien connu. 30% d'artistique. 70% marketing. Et pour moi, le marketing, ça fait partie intégrante du talent. Si t'en as pas, t'es une merde. C'est tout. Mais les gens, ils veulent pas comprendre ça. Donc on essaye. Ah, Renoir. On essaie de leur faire comprendre. Et toi, ah, ça Renoir. Dit quoi? Ah, Renoir. C'est à moi que tu parles? Ouais, c'est à toi que je parle, ne me regarde pas. C'est toi, Metz ou quoi? Ouais, et toi, t'es qui? Ne casse pas la tête sur ça. Ne casse pas la tête. Je sors de GAV, là, j'ai croisé un poteau à toi, un gitan. Il s'appelle Nico. C'est bien ça, non? Nico, ouais. Ouais. Moi, il s'est fait crever, ok? Maintenant, ton nez est sorti dans l'histoire. Je suis venu te prévenir. C'était un bon gars en GAV, on a un peu déliré. Donc, je suis venu pour toi, ok? Fais attention à toi, frérot. Putain, mais c'est qui, lui? Je sais pas, gros. Putain, Nico, il s'est fait péter. On rentre dans une épicerie, je voulais acheter à boire. Je vais prendre une canette, je fouille dans mes poches, il manque 40 cents. Ouais. Bref, nique sa mère, je repose la canette et tout, je me barre. Et donc là, on prend le boulevard, là. On commence à marcher, et on arrive à un moment, je sais pas, il y a un Renoir bizarre, il était assis sur un banc tout seul. Mais tu sais, en mode sale, le mec, là, il y a un mec chelou, tu vois, mi-clochard, mi-schlag. Il m'appelle comme ça, il fait hé, l'ami, viens voir. J'y vais. Je m'avance, tac, tac. Le mec, il me tend sa canette. Il me regarde droit dans les yeux, il me dit ouvre-moi ma canette. La vie de ma mère. Ouvre-moi ma canette, c'est un baiser. Bref, je suis là et tout, je le témoin, je regarde les autres. Je me dis mais il est malade ou quoi? Comment ça ouvre-moi ma canette? Il me dit bah ouvre-moi ma canette. Je me dis mais comment ça ouvre-moi ma canette, gros, qu'est-ce que tu racontes, wesh? Il me dit ouvre-moi ma canette. Je fais mais mes cousins, mais t'es baisé ou quoi? Tu m'as pris pour qui, moi? D'où je trouve ta canette, moi? C'est quoi cette histoire là? Il me dit j'ai pas d'ongle. Comment ça?
Bah, il a pas d'oncle, donc le mec il peut pas ouvrir sa canette. Donc il me tendait sa canette pour lui. Eh hey, mais c'est un BA gros, pas d'oncle. Et quand je te dis pas d'oncle, c'est pas genre en mode rongé, c'est qu'il y avait pas d'oncle, tu sais, il y avait que de la peau, des doigts. Wesh Renoir. Cool, wesh. Hein? Ouais. Tu me dis moi wesh? Pourquoi? Moi tu dis wesh? Il est bizarre ton pote là wesh. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? T'es malade ou quoi? Qu'est-ce que? Ah je suis malade hein. Quoi, y'a quoi? Je sors d'où là à ton avis là? Qu'est-ce que j'en sais moi? J'étais au commissariat espèce d'enfoiré. Et alors? Et alors? En quoi ça me regarde? Mais t'es fou ou quoi? Qu'est-ce que? En quoi? Attends. Laisse, tu vas comprendre. Mais quoi mon frère? Parle, qu'est-ce qu'il y a? On m'a montré des putains de photos où t'étais en train de bicrave. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je raconte? Des photos où t'étais en train de bicrave. On s'était dit quoi la dernière fois? Toi et tes histoires de rap de merde là. On devait pas s'occuper de tout? Tu nous as cramé là. On va aller loin. Ferme ta gueule. Va te faire enculer avec ton rap. Je me retire de vos conneries là. Merde. T'es trop impulsif, gros. Ferme ta gueule. Arrête d'aller loin pour rien. Ferme ta gueule, je t'ai dit. T'es sérieux, là? Quoi? Tu bicras. Mais non, c'est... Écoute, non, c'est... Non, mais oh, tu bicras. Mais non, mais gros, c'est pas ce que tu crois. C'est pas simple que ça, frère. Vas-y, laisse tomber. Oh. Ouais, je te vois, là. Oh, Chris. Oh, Chris. À nous faire baiser alors! Putain! C'est de ouf! Gros, t'es trop radical! Depuis gosse. On est des frérots, hein. On connaît les défauts de chacun. Faut apprendre à faire avec. Et arrondir les angles. Tu fais partie intégrante de l'équipe. Tu peux pas nous laisser tomber comme ça au dernier moment. Pour quelques bugs. Quelques bugs? C'est lui qui t'envoie ou quoi? Quoi? Arrête tes conneries. Il sait même pas que je suis venu te voir. La dernière fois qu'on s'est vu pour discuter de tout ça, là, on s'était pas mis d'accord sur la manière dont les choses devaient se faire. Je sais pas. Oui, non. Vous vous rendez même pas compte des risques. Mais vous croyez que c'est un jeu ou quoi? Hein? Continuez de prendre les choses à la légère comme ça, là. Au final, ce qui va se passer, c'est que vous allez foncer dans le mur. Donc viens pas me raconter ta vie, là, comme si c'était moi qui étais en tort. Dans 2 semaines, on organise une soirée. Pour fêter la sortie de l'album. Il y aura du monde. On va faire venir quelques têtes du gratin et toutes les personnes. Toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à cet album. Faut que tu sois là. Faut que tu sois là. Kof, si t'es pas là, il y aura un vide. Tu sais très bien que ça fera plaisir à Hermès. Tu le sais ou pas? Tu sais quoi?
fais-le pour moi. Si tu le fais pas pour Ames, fais-le pour moi. Ça s'allume tous les combien de temps, là, la Tour Eiffel? Toutes les heures, je crois. Elle s'allume, elle s'éteint. Mais tu vois, moi, je pense que la vie, en fait, c'est comme la Tour Eiffel. Il y a des moments où tu brilles, et le reste du temps, bah, t'es dans l'ombre. Non, je pense pas que t'es dans l'ombre. Tu prépares les instants où tu vas briller. Allô, Kofi, c'est Hermès. Je suppose que Chris a dû te le dire. On organise une petite soirée par rapport à la sortie de l'album. Avec tous ceux qui ont participé de près ou de loin au truc. Et... il manque quelque chose si t'es pas là. Donc ça me ferait plaisir que tu viennes, qu'on oublie le passé et qu'on avance. Allez, vas-y. There was a ragged band that followed in our footsteps. Running before time took our dreams away, leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter. Glowing behind us, to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide. There's a hunger still unsatisfied.
still straight to the horizon. Go down this road we've been so many times. The grass was greener. D'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marque en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver.